serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Pour réaliser ce poncho, j'ai utilisé 36 picots. J'ai utilisé de la laine de chez Zeman que je suis venue doubler. Je fais le nœud coulant et c'est parti. J'ai travaillé en aller-retour pour créer deux grands rectangles. Je l'ai réalisé au point I jersey, donc sachez que ce point roule. Et j'ai fait donc une maille lisière, c'est-à-dire qu'à chaque début de rang, je n'ai pas travaillé le premier picot. Je démarre donc en point I jersey à partir du deuxième picot jusqu'au dernier picot. Donc moi pour mes rectangles, j'ai fait sur 36 picots et j'ai fait 174 rangs. Ensuite, je viens terminer droit. Donc pour cela, point I jersey sur le picot de droite, je déplace la maille sur le picot de gauche, je remonte la maille du dessous et je mets à nouveau la maille sur le picot vide. Après, j'ai cousu donc le dos et les côtés. Je commence donc, je passe cette aiguille par en dessous de ma maille du côté gauche. Puis je viens passer maintenant mon aiguille dans la première maille du côté droit par en dessous. Maintenant, je mets l'aiguille par au-dessus dans la maille, la première maille du côté gauche, là où j'avais mon fil, puis par en dessous dans la maille suivante, toujours du côté gauche. Ensuite, l'aiguille maintenant va du côté droit, par au-dessus, puis par en dessous de la maille suivante. Et on continue, donc le côté gauche, par au-dessus dans la maille où il y avait le fil précédent et par en dessous de la maille suivante.
crème désaltérant, micro-algues du désert, plus acide hyaluronique. C'est une texture qui est rafraîchissante pour des peaux normales à mixte. Donc toujours de la gamme Hydralis, il y a la brune fine hydratante. Il y a le masque nuit cocooning. Donc le but c'est d'appliquer une fine couche sur le visage qui est déjà préalablement nettoyée en évitant la zone du contour des yeux. Et il faut laisser poser. On peut laisser donc poser toute une nuit. Yeah.